Cadre d'échange, de rencontres et de partage d'expériences avec des leaders ivoiriens, la première édition du Salon du service public délégué et de l'expertise locale a eu lieu les 6 et 7 juillet 2023. Organisée par le groupe Fraternité Matin en partenariat avec l'entreprise Expertise Locale, cette édition a accueilli les représentants de plusieurs institutions publiques et privées. Elle s'est tenue au Palais de la Culture de Treschville. Conférence inaugurale, panel, exposition, communication sur différentes thématiques, telles sont entre autres les différentes activités qui ont meublé ces 2 jours. On est satisfait de ce qu'on a vu, on est satisfait de l'organisation, on est satisfait aussi de la qualité de l'intervention, surtout aussi de la pertinence des questions qui ont été posées. Vous avez vous-même remarqué au niveau de tout ce qui concerne l'état civil, on est ici ce matin, hier aussi au sujet de tout ce qui concerne la protection sociale, CNPS, CGRAE, et puis la CNAM qui était là aussi. Et tout à l'heure aussi avec la RTCI et puis le port. On a vu vraiment les questions pertinentes qui ont été posées, l'intérêt surtout du public hein, pour tout ce qui concerne l'action publique. Parce que notre objectif, c'est ça, mettre vraiment le citoyen au cœur de tout ce qui était service public délégué, que l'État donc a bien voulu déléguer à certaines entreprises. Nous pensons que la pertinence et les spécificités des questions des participants ont pu et vont permettre aux différents acteurs qui étaient là d'améliorer, et on espère que ce genre de plateforme vont se démultiplier de sorte à ce que de plus en plus la population soit davantage proche de ces décideurs-là. Donc pour nous, c'est un pari réussi. Et le second point, c'est vrai qu'on parle du service public délégué, mais c'est aussi une plateforme pour sensibiliser nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, de sorte à ce que ceux-là aussi connaissent davantage tous les acteurs qui sont derrière les performances réalisées dans ces services publics délégués, pour que cela soit des repères pour eux en matière de réussite aussi. Cet événement favorise le rapprochement entre les entreprises délégataires de services publics et leurs usagers clients. Notons que pour cette édition, le thème choisi était l'amélioration continue des prestations de services publics délégués, une exigence au service du citoyen.